Et maintenant, je vous propose d'accueillir un nouveau groupe. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'esprit de contradiction. Donc, j'ai voulu contredire Alex qui n'aimait pas les chants de Noël que moi j'adore. Maintenant, je voudrais contredire Enora. Ah. Parce qu'Enora, il paraît que tu n'es pas encore totalement séduite par ce magnifique instrument qu'est l'accordéon. Mais non, ah mais alors, pas du tout. Je fais le pari avec les téléspectateurs que dans 15 minutes, c'est tu vas adorer l'accordéon. Pourquoi? Parce que nous allons maintenant recevoir un des plus grands jeunes virtuoses de cet instrument, Félicien Bru. Il est accompagné par les cordes d'un projet magnifique, le projet du Paris des bretelles. Thank you.
Lucien Dru, le quatuor Hermès, Édouard Macarès à la contrebasse. C'était le premier mouvement de la suite musette de Thibaut Perrine. Bonsoir Félicien. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes ici pour célébrer l'accordéon, pour célébrer un projet très original, le projet du Paris des Bretelles, c'est-à-dire cet alliage extraordinaire qu'on vient d'entendre entre l'accordéon, les cordes magnifiques du quatuor Hermès et la contrebasse d'Édouard Macarès. Et déjà, je sens, Enora, que tu as à moitié changé d'avis. Ça s'appelle une claque, non, ce que je viens de prendre. Non, mais tu vois, ce que je reprochais, pardon, à votre instrument, c'est que je trouvais que ça en dégageait une sensibilité trop évidente pour moi. Une espèce de nostalgie immédiate, un truc. Et alors là, je viens de me rendre compte que pas du tout. J'ai trouvé ça génial, vous m'avez emmené je sais pas où, mais j'ai bien envie d'y rester. Merci beaucoup, vraiment. Ben, merci à toi. Il se trouve que cette pièce est une pièce très récente qui vient d'être composée par un jeune compositeur que j'aperçois là et qu'on peut saluer, Thibaut Perrine. Voilà, alors moi, quand j'ai fait mes études au Conservatoire de Paris, ben, il n'y avait pas de jazz, il n'y avait pas de musique baroque, et certains instruments n'étaient pas encore représentés. Maintenant, c'est chose faite, et je crois que toi-même, tu as enseigné un petit peu l'accordéon. Oui, tout à fait. J'ai enseigné pendant près de 10 ans l'accordéon dans différents conservatoires, dont celui de Châteauroux. Mais oui, on a mis très longtemps à intégrer l'accordéon dans le cursus du conservatoire. C'est quoi? C'est un snobisme? Pourquoi? C'est un snobisme sans doute. En fait, la caractéristique de cet instrument, c'est qu'il est arrivé en France par le biais d'une musique extrêmement populaire. C'est le musette, le bal musette. Mmh. Vous avez tous entendu André Verschuren, tout ça. C'est... André Verschuren, Yvette Horner, tous ces grands noms du musette. Mais avant eux, Gus Wieser, Tony Murena, qui sont un peu moins connus peut-être aujourd'hui du la Rue de l'Ape, la Bastille, Paris, exactement. Etc. Exactement, enfin, tout a commencé au début du siècle. C'est les Auvergnats qui ont inventé le musette, et j'y tiens beaucoup parce que je suis Auvergnat moi aussi. Ils sont arrivés à Paris avec un petit instrument, une sorte de cornemuse à l'époque, qui s'appelait une musette. Et le soir, dans les arrières-salles des cafés, on poussait les tables et un cornemuseux Auvergnat prenait sa musette et faisait danser les clients. Tout a commencé comme ça. Donc ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle le bal musette. Oui, absolument. Alors, comment est-ce qu'on est passé de cette sorte de cornemuse à l'accordéon? Ah, alors l'accordéon, on ne le doit pas aux Auvergnats, on ne doit pas tout à fait tout aux Auvergnats. Ah bon ? C'est pas les Auvergnats qui ont amené l'accordéon à Paris, ce sont les Italiens. Et les Italiens arrivent avec un accordéon, alors qui ne ressemble pas tellement à celui-ci, qui est un accordéon classique, mais plutôt à celui-là, j'ai amené deux accordéons. Et petit à petit, on va se rendre compte que l'accordéon, il a des capacités, bien entendu, beaucoup plus élaborées que la musette auvergnate. Donc il va remplacer petit à petit la musette. Alors ça va créer des échauffourées terribles, pour parler un peu vulgairement, ils vont se mettre sur la gueule entre les Auvergnats et les Italiens, vous voyez. Et les Italiens ont gagné. Et les Italiens ont gagné. Pour consoler les Auvergnats, on continuera à appeler ce style le musette. Alors, peut-être que puisque tu parles de ce second accordéon, oui, tu peux changer d'accordéon, oui, bien et sûr, peut-être nous donner quelques exemples de thèmes vraiment traditionnels du musette. Alors, on commence en France, puisque c'est quand même à Paris qu'est né le musette, avec la danse peut-être la plus typique parisienne du début du XXe siècle, la java. François, est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir? Est-ce qu'on ferait pas la java bleue peut-être avec Christelle et Félicien? Non, je sais pas. Enfin, c'est une. Ah ouais? Bah ouais. Très bien. Oui, si vous voulez, volontiers. Mais... Non, je sais pas. Hein, La java la plus belle, celle qui en sorcelle et que l'on danse les yeux baissés au rythme joyeux. Quand nos corps se confondent, comme elle au monde, il y en a pas deux, c'est la java bleue. Tu sais, c'est très émouvant pour moi, ça, parce que quand j'étais toute petite, vraiment, je suis très émue, parce que j'ai l'image de mes grands-parents dans les bals de mon enfance. Il y avait ces musiques-là, et je les voyais tourner et tout, et moi, j'étais bercée à ça, et chaque fois que j'entends ces musiques-là, je revois mes grands-parents tourner et tous leurs copains. Mais c'est un truc de... C'est vraiment... C'est la Madeleine de Proust, c'est incroyable. Moi, j'adore cet instrument, je suis absolument fan. Alors, est-ce qu'on peut demander la digue du cul à Alex Vizorek ou pas? On attend des minutes. Il y a aussi des danses espagnoles. Entre autres, le paso doble, c'est ce qu'on évoquait dans le premier mouvement de la suite de Thibaut tout à l'heure. Donc le paso doble, ça donne ça. Thank you.
Et alors maintenant, du côté de l'Europe centrale. Oui, des Polonais, des Hongrois, des Autrichiens qui arrivent, qui ont l'habitude de danser la mazurka ou la polka. Et on va écrire beaucoup de polka musettes qui seront souvent des pièces un peu virtuoses, comme cette polka qui s'appelle les triolets. Les balles de mon enfance. Non mais les doigts quoi. Et alors moi j'ai aussi droit à un petit plaisir, c'est que j'ai appris grâce à Félicien qu'il n'y avait pas que la valse musette, qu'il y avait toutes ces danses qui faisaient partie du musette, mais enfin il y a quand même aussi la valse musette. Il y a une valse musette que j'aime beaucoup qui s'appelle Germaine. Alors, si tu peux me jouer le thème de Germaine, je serai très content. J'ai une mini question, alors qui va peut-être paraître débile, mais autant sur un piano, je peux à peu près comprendre. Comment tu peux être sûr de ne pas te tromper de bouton? Ah, on n'est jamais sûr. D'accord. Non, mais t'as raison. Non, je voulais savoir, quand on apprend au début à faire de l'accordéon, est-ce qu'on passe forcément par ce style de musique? Parce que quand on est gamin, c'est peut-être pas forcément ce qu'on aime. Aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement. Moi, il se trouve que j'avais pas du tout d'atome crochu avec la musique classique au départ. J'ai choisi cet univers bien plus tard. J'ai appris à aimer la musique classique au fur et à mesure. J'ai vraiment, au départ, choisi la musique et l'accordéon pour le bal musette. J'ai d'ailleurs animé des bals musettes pendant de nombreuses années. Et c'est ce qui est extrêmement touchant dans ce projet, c'est qu'avec mes cinq copains ici, j'arrive à mêler justement cette musique que j'aime depuis ma plus tendre enfance avec l'univers musical dans lequel j'évolue aujourd'hui, qui est la musique classique. Moi, je me suis amusé à regarder les synonymes du mot accordéon. C'est incroyable, il y a piano à bretelles, il y a piano du pauvre. La boîte à frissons aussi, la boîte à punaises, on a dit. Boîte à punaises, boîte à frissons, c'est pas mal. Et alors, il n'y a pas longtemps, j'étais en Suisse, à Morges, près de Lausanne, et les techniciens du théâtre m'ont dit qu'on appelait ça en Suisse une renifle. Une renifle, je ne connaissais pas. Ça, j'aime beaucoup. C'est élégant. Puis vous comprenez pourquoi ça a mis longtemps à rentrer dans le cursus du conservatoire. Alors, il y a une chose qui est très particulière dans le monde de l'accordéon, c'est qu'alors que la plupart des autres instruments font l'objet de prix internationaux, prix de piano, prix de violon, etc., eh bien, en accordéon, ça s'appelle des championnats. On dit champion du monde d'accordéon. Et Félicien est trois fois champion du monde, puisqu'il y a quatre championnats. C'est bien ça. Oui, c'est... Le seul problème, c'est que ça rapporte beaucoup moins qu'au football. Alors aujourd'hui, en France, le nom le plus connu de l'accordéon, c'est Richard Galliano. Nous l'avons reçu d'ailleurs à l'une de mes précédentes émissions. Et donc toi, tu as été voir Richard Galliano, et c'est ça qui est un peu l'origine, si j'ai bien compris, de ce projet du Paris des Bretelles. Il se trouve que c'est assez étrange, Galliano, il est dans ma vie depuis très longtemps, parce que c'est vraiment... un modèle pour moi, c'est un musicien extraordinaire qui mène une carrière tout aussi extraordinaire et il a vraiment réussi à porter à un très haut niveau cet instrument dans tous les styles justement. Il nous a fait le plaisir de nous donner sa petite suite française qu'il a écrite il y a une vingtaine d'années justement pour ensemble à cordes et accordéon et on joue cette pièce en concert et ce soir on avait très envie de terminer la séquence par la valse finale de cette petite suite française de Richard Galliano. Le Paris des Bretelles, c'est à vous.
valse de Richard Galliano, la valse de la petite suite française. Merci beaucoup à tous, merci au Paris de Bretagne.